Salut tout le monde, c'est Delta. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ça doit faire le 7e épisode et regardez-moi cette tête de trisomique, ça fait vraiment très peur. Donc moi ça me fait une très longue pause, donc ça lag un petit peu parce que je suis en train de faire des chargements en même temps. Donc c'est normal. Donc pendant cette petite pause pour moi, mais pas pour vous, je suppose, j'ai eu le temps d'aménager un tout petit peu la maison. J'ai creusé un petit peu ici, par là. J'ai eu le temps d'XP. Donc si vous entendez par contre ma souris, là voilà, vous devez l'entendre. Si vous entendez ma souris, c'est parce que je suis sur une table, il y a du bois. Donc du coup, ça doit faire un peu de bruit vu que je déplace ma souris en la levant à chaque fois. Et du coup, ça fait du bruit. Donc pour vous donner un petit ordre de grandeur, je fais cette vidéo un jour après la sortie de la spéciale 50 abonnés avec Tsukitsime, donc qui a été un très bon épisode selon moi, et qui a été vraiment très sympa à regarder. Donc là, non, c'était du sable. Donc bref, on va aller prendre un petit peu tout ça, voilà, notre canne à sucre. Pour la canne à sucre, ouais, oh, pour la canne à sucre. Donc j'ai eu le temps d'aménager, donc je vais vous faire découvrir un petit peu tout ça. C'est pas vraiment grand chose, je vais continuer à aménager en même temps que vous. Je sais pas si j'avais l'autre coffre la dernière fois, parce que j'ai pas regardé l'épisode entre temps. Donc j'ai repris un petit peu d'obsidienne pour pouvoir se faire une table d'enchantement et une porte au Nether. Donc vous voyez, c'est n'importe quoi dans mon inventaire, donc on va mettre tout ça ensemble. Donc pareil, si vous voyez, j'ai fait des pistons collants. C'est parce que j'avais voulu essayer ça, voilà. Et comme je suis comme j'avais fait de la création, je sais pas si j'ai remis les monstres, donc je vais voir ça tout de suite. Non, j'ai pas remis les monstres, donc là je vais les mettre, voilà. Donc j'avais laissé les monstres hein, pendant que je faisais le truc comme ça, pendant que j'avais fait la petite construction ici. Donc j'ai fait des petits couloirs, une sorte de véranda assez sympa. Bon, c'est pas encore ça, mais c'est un abri, on va dire. N'oubliez pas surtout dans les commentaires de me dire ce que vous voudriez que je fasse par exemple dans les maisons, etc. Donc j'ai pas regardé l'heure, ça c'est un peu stupide de ma part, donc si l'épisode est un peu plus long ou un peu plus court que d'habitude, veuillez m'en excuser en tout cas. Donc je sais pas si on va faire des longs rails pour aller jusque là-haut, en tout cas j'en ai encore un petit peu, j'ai faim donc je vais manger du bœuf, parce que le bœuf c'est bon, mangez-en, comme la cobble, voilà. Mais moi je trouvais... Enfin, au départ, il y avait de la cobble. Ici, j'avais placé de la cobble, mais j'ai trouvé que la pierre lisse, ça faisait un peu meilleur. Bon, j'ai pas mis les escaliers, parce que je sais pas si on peut faire des escaliers en pierre lisse. J'ai même pas essayé. Mais je ne crois pas. Mais pour moi, la cobble, bah, c'est pas forcément la meilleure chose. Ça donne pas vraiment un aspect naturel. Quand vous creusez dans les grottes, bah, vous allez pas trouver de la cobble comme ça. Donc j'ai... À part s'il y a des rencontres entre la vélo, évidemment... Donc voilà, on va casser tout ça parce que ça m'énerve, c'est moche, voilà. Allez, casse tout ça. Meurs, voilà. Donc j'avais mis de l'or à l'intérieur. D'accord. Donc on va agrandir une pièce, on va placer des torches en bas, donc on va aménager un petit peu la maison pendant cet épisode. Donc c'est pas un épisode où je vais explorer par exemple des cavernes ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt un épisode où je vais aménager la maison, que ce soit assez présentable on va dire. Donc on va se faire une porte. Donc est-ce que j'ai assez pour la porte? Oui, j'ai assez pour la porte. On va même se faire une double porte. Voilà. Ah oui, j'avais 51 lingots d'or. Ah oui, quand même. Donc ça c'est pas mal. Donc la cobble, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Le bois. Faut vraiment que je range cet inventaire parce que ça commence à devenir n'importe quoi. Entre temps, j'ai ramassé plein de choses. Les rails aussi, on va s'en faire après, je sais même plus comment on les fait, mais on va un petit peu improviser après tout. On n'est pas là pour faire un boulot parfait, sinon ça se saurait. Ça fait un petit peu moche, donc on va faire chauffer de la cobble, parce que la cobble chauffée, il y a que ça de vrai. Donc en attendant que ça chauffe, qu'est-ce qu'on pourra faire? Bah déjà on va creuser en haut. J'ai pas envie d'explorer les mines tout de suite, ce sera plutôt dans le prochain épisode, je pense. Bon, si j'ai le temps, évidemment, mais je pense pas trop, parce que si on doit faire quelque chose, autant que ce soit bien fait, plutôt que ce soit mal fait et que ce soit rapidement.
que ce soit rapidement fait. Je vais creuser un long couloir en bas en attendant. J'ai trouvé de lapis-lazuli, de l'or, je crois. Donc, je vais peut-être remonter d'un cran parce que c'est vrai que 2, bah, c'est la limite où on peut passer dans Minecraft. Vous voyez, on peut à peine sauter. Mais 3, ça paraît plus confortable selon moi. Donc, on va faire un mur de 3, évidemment. J'ai repris ma pioche, quel abruti. Donc, la pelle, on va la finir. Je crois que j'avais fait une nouvelle pioche en attendant, entre les deux épisodes. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas fait beaucoup de choses. Enfin, j'ai pas fait. Génial. J'ai pas fait des choses vraiment très intéressantes entre les deux épisodes. Donc, il n'y a pas de quoi m'en vouloir. À part si c'est pour dire ah, si, on t'en veut, parce qu'on t'aime pas. Voilà, c'est tout. C'est abonné à ta chaîne. C'est les comptes secondaires que t'as fait et tout. À part si c'est pour dire ça, évidemment. Donc, comme j'ai pas envie de creuser qu'il y a du gravier et qu'on doit refaire une pelle, je vais vous proposer d'aller chercher la cobble et de la placer. Donc, pilou pilou. Voilà. Voilà. Voilà, ça fait quand même mieux, hein, même si c'est tout juste pour. J'en étais sûre. Évidemment, on peut pas passer. Comment on va faire? À part décaler les escaliers, je vois pas comment faire. Tralala. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Après, on déplacera les escaliers. À moins qu'on le fasse maintenant, mais j'ai pas trop envie. On va en faire une pelle en tout cas. Donc, est-ce que j'ai du fer sur moi? Oui, évidemment, j'en ai toujours. Voilà. Ah oui, par contre, j'aimerais bien replacer un peu de canne à sucre pour pouvoir faire des livres pour notre table d'enchantement qu'on va placer dans la chambre que je suis en train de creuser. Parce que si vous savez pas ce que c'est, bah évidemment, c'est normal, vous pouvez pas être devin non plus. Même si je vous prends pas pour des imbéciles, bah vous allez pas tout deviner d'un seul coup. Ah ouais, ça ressemble à une chambre. Ouais, c'est vrai. Regarde, c'est assez asymétrique, c'est une chambre. Non, franchement. Donc, oui. Allez. Creuse, 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 creuse. J'aime pas trop ces moments-là parce que pour vous, ben, en plus, c'est pas du tout intéressant. C'est même complètement nul. On va rien voir du tout. On va récupérer des torches. Et on va les mettre. Pourquoi il y a 2 tonnes de torches? C'est pas grave. On va mettre une ici. Vous allez me dire qu'est-ce que vous préférez comme mur, par exemple un mur blanc, un mur rouge, un mur orange, un mur jaune ou alors un mur en cobble. Donc vous me dites tout ça, ou en pierre lisse d'ailleurs, oui, parce que vive la pierre lisse après tout. Donc on creuse, on creuse, on creuse, ça fait pas mal de temps qu'on tourne, je sais pas du tout, enfin ça fait pas mal de temps, ça doit faire plus de 10 minutes je pense. Et puis si on fait plus long, après tout, c'est pas très grave. De toute façon, le temps d'upload de Minecraft, c'est pas exceptionnel. Donc sinon, je vais vous parler un petit peu de mes projets à venir. Parce que moi, la dernière vidéo, bah, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était avec Tsukitsime. Donc une bonne vidéo que je vous recommande. Je vais vous mettre, à mon avis, une annotation. Sauf si j'y pense pas, ce qui est fort probable. Donc je vais pas vous mettre d'annotation. Ouais. Donc, allez la voir par vous-même, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je prévois un peu sur ma chaîne? Donc, j'avais dit pendant lors de cette vidéo que j'allais faire un comparatif Black Ops, Black Ops 2. C'est toujours. Je le prévois toujours. Par contre, on va se refaire des portes ici. Donc, je le prévois toujours. Je vais faire aussi. Bon, c'est pas tout de suite du tout, mais je prévois quand même un gros projet pour les 100 abonnés, donc autant le commencer maintenant. Ça va être. Je sais pas si je vais vous le dire. Bon, allez, je vais vous le dire, parce que. Si on veut le dire. Ouais, tu dis que tu parles de tes projets, mais en fait, tu dis pas ce que tu fais. Donc, je prévois un petit best-of des moments les plus drôles, même si c'est pas drôle, mes vidéos, c'est nul, tout le monde s'endort devant mes vidéos. Je prévois de faire un petit best-of. Ça devrait être pas mal parce qu'il y a des moments, bon, il y a des moments où on s'ennuie quand même sur les vidéos, hein, je vais le dire, même moi je ressens ça comme ça.
comme en ce moment. Et il y a des moments bah, plus délire complètement avec par exemple Tsukitsime, il y a eu pas mal de délire. Donc je prévois un petit best-of pour mes 100 abonnés. J'espère que ça arrivera assez tôt, mais pas trop tôt, le temps que je finisse quand même ce projet qui m'a l'air assez long. Donc le best-of, je sais pas combien de temps il va durer. Par contre, le comparatif, il devrait durer environ, je vais dire 1 heure comparatif, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Rien que sur écrit, j'avais déjà trouvé pas mal de choses auxquelles on pourrait débattre, par exemple, et même faire un petit peu rentrer des sujets de MW3 qui viendraient non pas parce que je décide aussi de comparer MW3, mais parce que je pense que ça irait. D'accord. On est libre, oui. Carotte. Pourquoi je dis ça? Qu'on va fermer. Parce que c'est moche. Enfin, moi, c'est moche. Je trouve ça moche. Voilà. Voilà. Et je préfère être enfermé. Voilà. C'est plus cool. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ça durera 1 heure, enfin voilà, ça va bien être long. Sinon, le duel tâche devrait passer, je sais pas si je l'ai dit dans une vidéo, je ne pense pas, mais le duel tâche que je prévois, s'il n'est pas déjà sorti, il devrait passer sur Code QG. Code QG, c'est qui? C'est une chaîne communautaire, vous devez connaître, si vous ne connaissez pas, bah vous êtes un noob. Donc, c'est une chaîne communautaire à 400 000 abonnés, je crois. Donc c'est un bon petit chiffre et puis pour se faire connaître, bah c'est parfait. Et voilà. Donc je suis très contente déjà qu'ils m'aient répondu. Et ils auraient pu me dire, ouais, ta vidéo va être nulle, alors on veut pas de ta vidéo, tu fais que tes vidéos pourries. Non, 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 c'est... Bah déjà, ça va même pas être édité par moi, donc ça risque pas d'être pourri. Donc, voilà. Donc la pièce est faite. Donc on va reboucher les quelques trous et on va casser le bout de terre. Allez! La souris ne veut pas se lever, hein, décidément. Donc, on va aller préparer des portes. Préparons des portes. Et on va faire chauffer de la pierre, de la cobble pour en faire de la pierre lisse. Donc, voilà, voilà. Ensuite, on va faire les portes en bois. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Je sais pas si on peut prendre deux portes comme ça. Non, mais oui, évidemment. Voilà. Donc voilà, on va déjà les prendre et on va voir après. Pendant que la cobble est en train de chauffer, qu'on ouvre les portes pour que ça fasse mieux. Donc le couloir, bah on va mettre des tableaux, etc. Donc je sais pas comment faire les tableaux. J'irai voir, de toute façon je vais pas les mettre tout de suite, je vais les mettre dans le prochain épisode parce que je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, mais ça fait au moins 10 minutes, voire plus. Donc comme la cobble est en train de chauffer, que je sais pas quoi faire, on va quand même aller voir un peu ce que j'ai creusé la dernière fois, et puis je sais pas si entre les deux épisodes je vais poser les rails ou si je vais les faire avec vous, parce que ça va être saoulant pour vous. Donc je vais sûrement les poser. Ouais, je vais sûrement les poser, puis après on verra. Donc déjà je vais vous montrer, je vais creuser tout ça, on va remonter, et je vais faire non pas une petite ellipse, mais vous verrez ça dans le prochain épisode, j'aurai sûrement mis les rails entre temps. Donc, je crois que c'était par là que j'avais creusé. Non? Si, peut-être. Allez. Je sais pas si le charbon en a vraiment besoin. J'ai creusé ici et ici. Ici, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est un endroit que j'ai déjà vu, forcément. Sinon, j'aurais pas mis de torche. Donc, vous voyez, j'ai creusé un endroit et puis j'avais trouvé pas mal de choses. Donc, charbon, on va quand même le prendre, et puis en plus ça permet d'XP, ce qui est vraiment pas trop mal pour notre table d'enchantement, parce que si on veut combattre l'Under Dragon, faudra quand même avoir un certain nombre de niveaux avec une armure améliorée, un arc amélioré, une épée améliorée, etc. Donc il faut XP un maximum, sinon on peut pas avoir grand chose.
Surtout que j'aimerais bien me faire une enclume dans les prochains épisodes pour pouvoir assembler par exemple deux épées ou deux choses comme ça. Donc là, il y a du fer. C'est pas mal pour notre enclume. Donc j'avais dit qu'on allait poser la table d'enchantement. On l'a toujours pas posé notre table d'enchantement. C'est pas grave. Alléluia. Vous voyez la pièce vie qui ne sert absolument à rien, mis à part pour faire des petites couleurs. Donc, récupérons tout ça. Allez, viens. Dis donc. Pas décidé. Ah non, d'accord. Mon truc est complet. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vider? Bah, les graines, on n'a pas forcément besoin. Donc, on va virer ça. Hop. Allez. Pardon. Voilà. T'es nul. Donc, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a encore du charbon. Et à mon avis, plus on creusera, plus on trouvera des choses. Ça, c'est. Ça paraît un peu évident. Donc, finalement, à mon avis, l'épisode va durer bien plus longtemps que prévu. Donc, c'est pas grave du tout. Ah oui, tu te casses les jambes, tu tombes de 2 mètres, tu te casses les jambes, c'est normal. Non, mais ça paraît logique, hein. Donc, oui, d'accord. Donc on va se faire un petit escalier. Donc, encore du lapis-lazuli. Du fer. Donc, on en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin. Même si je crois qu'il faut 30 fer pour une enclume. Parce qu'il faut des blocs complets plus pour les pieds. Des lingots de fer. Donc ils ont été un peu plus. Je sais pas ce que c'était là. Ils ont été un peu plus généreux que la dernière fois. Parce qu'avant c'était que des blocs de fer complets. Donc on arrive au bout de du chemin que j'avais pu creuser entre les deux épisodes. Et on tombe sur une caverne qui m'a l'air assez bien remplie, surtout en monstres. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais courir déjà. Cours! Je sais que t'es pas Usain Bolt, mais allez! Allez, on s'en fiche. Voilà, de la cobble, je veux de la cobble dans mes mains. Allez, dépêche-toi. Petite souris. Bon, on a l'air de les semer, donc je vais quand même me faire un petit mur au cas où en attendant. Et puis on va repartir tout de suite sur l'épisode, donc je vais pas mettre les rails tout de suite, je vais faire un épisode entre temps de la caverne. Et on se dit à plus tout le monde pour une prochaine vidéo.